La Norvège a enterré ses premières victimes du double attentat du 22 juillet dernier. Les funérailles d'une jeune fille d'origine irakienne prénommée Bano ont notamment été célébrées hier dans la petite ville de Nesodden. Bano est norvégienne, a alors déclaré le Premier ministre « Je suis norvégien, nous sommes la Norvège ». Le tueur présumé de Bano et de 76 autres personnes, Anders Behring Breivik, a été transféré hier dans une voiture blindée de sa prison au siège de la police. Il y a subi le deuxième interrogatoire depuis son arrestation. Pour les enquêteurs, il est de plus en plus probable que le fanatique a agi seul pour perpétrer l'attentat à la voiture piégée dans le centre d'Oslo et la tuerie sur l'île d'Utøya. Selon son avocat, il projetait même d'autres attaques le même jour.